vos achats d'occasion et c'est parti. On est passé chez Easy Cash et j'ai fait quelques achats jeux et romans. Tout d'abord, mon chéri a pris pour 20€ Cuphead sur la Switch. Typiquement le genre de jeu qu'il aime bien. Je sais qu'il est deux joueurs, j'essayerai, mais je pense que je n'ai pas la patience nécessaire pour faire ce genre de jeu, même si j'adore la direction artistique. On a ensuite enfin pris Splatoon 2 pour 26€. Ça faisait un moment qu'on se disait qu'il fallait qu'on se mette à Splatoon. J'avais essayé le premier, j'avais pas trouvé ça incroyable, mais je me suis dit faudrait peut-être que je tente les suites pour voir. Donc voilà, on se l'est pris pour essayer de jouer à deux et de découvrir un peu mieux Splatoon. De chez Akata ensuite, j'ai pris les tomes 2, 6 et 7 de Nos Cœurs Évanescents, une série que je n'ai pas encore commencé mais que je complète petit à petit, me manquera plus que le 8e et dernier tome pour compléter la totalité de cette série. J'ai aucun doute sur le fait que cette lecture va très fortement me plaire, donc voilà, je complète petit à petit. Et voilà pour les achats d'occasion bien variés d'aujourd'hui. J'ai aussi fait des achats romans qui seront postés en Reel et en TikTok d'occasion également, qui sont très très chouettes. Ça tenait pas tout en une vidéo. Donc voilà, dites-moi si ces deux jeux Switch vous les avez fait ou est-ce qu'ils vous tentent. Et si vous avez lu Nos Cœurs Évanescents, je pense que c'est totalement le genre de série qui pourra me plaire. Donc voilà, elle est dans ma pile à lire d'achats et j'espère que je pourrai bientôt la découvrir.